2016, un millésime, je crois qu'on a eu dans de belles conditions. À ton avis, c'est un vin qui... Millésime d'équilibre. Ouais. Millésime qui bénéficie aussi pour Marcillaz de la création des autres vins. Donc peut-être aussi un assemblage plus resserré sur les jolies parcelles, sur les parcelles les plus équilibrées, sur les meilleurs raisins. Et incontestablement, c'est un vin qui a une race, quoi, qui est très très identifiable. Et c'est bien de boire les vins comme ça, pas trop jeunes non plus. Et je trouve qu'il y a une espèce d'épanouissement, qu'il y a une espèce de grâce en fait. Allez boire maintenant, les tanins sont fondus, c'est très gourmand finalement. Que souvent on me pose la question au Liban ou ailleurs, on me pose la question est-ce que vous faites des vins qui peuvent vieillir 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et ma réponse a toujours été la même. Corrige-moi si je dis quelque chose de faux. Je dis toujours le projet a été conçu dès le départ Pour ça. pour faire des vins de très longue garde. Et ça a à voir avec les densités de plantation, les terroirs qu'on a choisis, Évidemment. les cépages qu'on a choisis, la manière de produire les vins. Ouais, en fait, on a tous les éléments sont réunis pour faire un vin qui va raconter une histoire très longtemps. Et on le voit d'ailleurs, et puis on le voit même sur des millésimes déjà antérieurs où la vigne était un peu jeune et où les vins sont pas encore effondrés, loin de là. Et j'aime beaucoup cet âge, moi. C'est l'âge de la maturité du vin, c'est l'adolescence en fait. Et ça garde, ça prend un côté sérieux, mais ça garde un côté fougueux, plaisant, agréable. Et en plus, Et c'est souple, c'est voilà, c'est souple, ça, c'est la agréable. souplesse. C'est la sorte de la fougue. C'est bon, très bon.